chérie, je suis très contente de vous retrouver pour un petit podcast couture. Alors aujourd'hui, je me suis un petit peu coiffée, maquillée, apprêtée. Ça change un petit peu des précédentes vidéos où j'ai une tête horrible. Donc voilà, enfin, c'est pas grave, hein, je suis au naturel, mais voilà. Ce que je porte, c'est le t-shirt à manches longues Clara de Autobré. Voilà, dans un jersey de coton et mon jean gris à surpiqûre verte. Ça va être un petit podcast couture assez rapide. Déjà, je n'ai pas cousu pour moi. Je vais vous présenter tout ça. Je vous montre vite fait. Je ne vais pas redétailler tout. Donc, ce que j'ai fait pour la vidéo concernant la comparaison de trois patrons similaires de marques différentes. Donc, c'est des petits top débardeurs, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc voilà, ça c'est en viscose. Donc c'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques années déjà dans un parc des expositions en fait. Voilà, donc c'était tout ce qui concernait les travaux d'aiguille. Donc je m'étais fait une petite blouse et il m'en restait, donc j'ai décidé de faire ça. Celui-là il est très portable, hein, il n'y a pas de souci, donc je suppose, enfin je pense que je vais soit le garder pour moi, soit le revendre. Une petite goutte dans le dos, mais si vous voulez plus de précision, vous allez voir les vidéos concernant les petits modèles. Il y a celui-ci que j'adore également, il est super bien fini au biais, donc ça c'est le top. Ouais, il me va mieux au teint que celui-ci. Mais j'aime les deux, franchement ils sont très très jolis, c'est très agréable à porter. Voilà, donc ils sont similaires, hein, la coupe n'est pas tout à fait pareille. Je prévois de faire une autre vidéo sur une comparaison de patrons. Donc ça sera certainement la jupe en jean, entre guillemets, enfin la petite jupe droite avec des petites poches. J'ai déjà filmé mes choix, donc je vous montrerai ça. Et il faut que je décalque les patrons. Et j'ai déjà choisi plus ou moins les tissus. Donc ça sera concernant ouais, probablement la petite jupe en jean, en demi. Ce sont des patrons similaires. En fait, je garde la base et après j'adapte en fonction du patron, du tissu et du style que je veux donner. Donc là, les petits débardeurs, il y avait quelques différences sur les patrons, sur les finitions. Donc j'ai gardé les finitions qui étaient proposées par le magazine. En revanche, j'ai changé un petit peu la fermeture du dos pour certains. Je vous laisse aller regarder les vidéos. Ça peut vous apporter des petites précisions sur les patrons. Et il y a celui-ci. Donc, le motif de ce tissu est juste fabuleux, magnifique. Mais le tissu en lui-même, c'est de la merde. C'est une horreur. Je pense que c'est plus pour de la doublure. Mais à porter comme ça, c'est pas terrible du tout. Les finitions proposées par le patron en plus sont pas terribles, terribles. J'ai pas. Voilà, c'est pas. Franchement, c'est pas terrible. Donc celui-là, je vais peut-être le terminer, le donner. Voilà, il est portable, hein, mais voilà, je vais pas le garder. C'est dommage parce que le tissu, encore une fois, enfin, l'imprimé est très beau, mais bon. Pardonnez-moi, j'ai été coupée, j'ai mon fils qui m'a appelée. Je ne sais pas comment ils vont faire quand on va plus être là. Bon, c'était pas grave, mais ça pourrait être grave et du coup, ça m'inquiète un peu parce que. Ouais, c'est. Enfin, bon, bref. Oui, alors pour la suite, je vous avais dit dans mon dernier podcast que je comptais faire une autre galette de chaise. Concernant un petit fauteuil, si je peux, je vous mettrai la photo, qui était en motif vache, là, enfin, c'est pas terrible. Enfin, ça m'a saoulé, en fait. En plus, ce tissu, c'est pas terrible, voilà. Et du coup, j'ai refait un patchwork pour la chaise. Donc, il me restait de ce tissu-là. Donc, ça, c'est de la viscose. C'était une robe de la Maison Victor que j'avais fait. Ça, c'était une chemise de mon papa.
Ça, c'est le même tissu, je vous en avais parlé aussi, c'était mon ex-belle-fille qui m'avait donné des vêtements. Ça, c'est le tissu dont je me suis servi pour faire la doublure de mon dernier caban noir. Ça, c'est un drap que j'avais récupéré, voilà. Donc voilà, j'ai fait la petite assise, c'est sympa. Et derrière, du coup, j'ai fini comme ça en agrafant. Donc c'est une petite agrafeuse de chez Lidl que j'ai qui est super bien. C'est un petit peu. C'est pas pneumatique, mais c'est à pression. Enfin, quand vous le laissez bien appuyer, clac, ça. Donc d'ailleurs, j'ai racheté l'autre fois, ils en vendaient à Lidl des agrafes et des clous. Et j'ai fait la provision pour la Réunion, parce que là-bas, j'ai peut-être pas forcément trouvé les mêmes trucs. Déjà, ils n'ont pas Lidl, donc si c'est bien spécifique à cette marque-là, il n'y en aura plus. Enfin, j'en trouverai pas. Et puis, ma belle-mère, quand elle a vu ce que j'avais fait, elle dit: Ah, mais c'est bien, tu pourrais peut-être me recouvrir mes chaises. Donc, voilà, je vais avoir du travail. Je vais avoir du travail. Ça, du coup, ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai récupéré à mon ancien boulot. Il faisait des sacs avec, et du coup, c'est très très solide. C'est un petit peu plastifié. Je le découpe avec mon fer de coupe. Du coup, je trace et puis je découpe autour. Comme ça s'effiloche pas. C'est comme c'est plastifié, ça fond un petit peu. Je sais pas si on va le voir. Non. Je sais pas si ça va se voir. Du coup, ouais, il faudra peut-être que je mette une agrafe de plus ici. Du coup, voilà, ça fait propre et ça fait super sur la chaise. J'ai plus que les chaises à repeindre. J'ai également rajouté un petit morceau de molleton qui n'était pas très épais parce qu'il y avait une mousse bon, qui n'était pas terrible. J'ai gardé quand même la mousse d'origine et j'ai rajouté quand même une petite couche de molleton. Comme ça, c'est encore un petit peu plus molletonné. C'est un peu plus agréable, un petit peu plus confort. Ensuite, j'ai une de mes kinés, parce qu'en fait j'ai fait de la kiné pendant 1 an et demi à cause de mes épaules. J'ai fait une capsulite rétractile et une tendinite, parce que du coup j'ai commencé par la capsulite rétractile. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent ça, c'est très douloureux, c'est très handicapant. À la suite de ça, comme j'ai mon fils qui était rentré à la maison, j'ai compensé. De toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que je m'occupe de lui. J'ai compensé, du coup j'ai fait une tendinite à l'épaule droite. Donc j'avais les deux épaules complètement fracassées. Du coup j'étais en arrêt de travail pendant 1 an et demi. J'ai vu deux kinés, j'en ai une qui me faisait des massages, tout ça, et l'autre qui me faisait plus, comment ils appellent ça? Du drainage lymphatique, enfin bon voilà, c'est qui me détendait les vertèbres, tout ça. Bon, j'ai toujours mal, hein. Beaucoup moins, mais j'ai toujours mal. Je vis avec mon mal de dos, j'ai des problèmes de dos depuis très longtemps. Qu'importe. Donc la deuxième kiné, celle qui me faisait les drainages, m'a proposé, enfin m'a demandé si je pouvais lui faire des robes, parce qu'elle est assez forte, elle est très petite en plus, elle est toute petite, elle est marrante. Et par contre, elle est très ronde, je crois qu'elle a des problèmes de santé, et bon, elle a des problèmes de poids, tout ça. Et elle a du mal à trouver des vêtements. Donc, elle avait trouvé, je ne sais pas dans quelle région, des robes. Elle en avait acheté 2-3 pareilles parce que justement, elle avait du mal. Donc, elle en a profité. Mais c'était toutes les mêmes. Elles étaient noires. Donc, voilà. C'était pas terrible. Et elle est retournée dans le magasin et il n'y en avait plus. Donc, alors c'est froissé. Hein, mais je vais vous montrer le modèle d'origine. C'est tout simple. Hein, c'est vraiment. Tout ce qui est le plus simple, elle est très longue et donc c'est comme ça, foncé sur le devant. Voilà. Et avec, alors, pour les détails, donc là c'est bordé avec un petit biais de jersey. Donc ça c'est de la, je suppose, de la viscose. C'est bordé avec un petit biais de jersey sur les entournures. Et là il y a, je sais pas ce que c'est en fait, une espèce de petit. Ça doit être du coton, une espèce de petite maille voilà, trouée comme ça. Ça doit, je crois que c'est en deux épaisseurs. Ouais, c'est en deux épaisseurs, c'est replié. Elle m'a demandé si je pouvais lui en refaire. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris le patron.
Il a fallu que je voie par rapport donc aux fronces. Ce qui me posait le plus de problèmes, c'était ça, pour trouver la même matière. Et je n'ai pas trouvé. Là, ici, pour border, il fallait un tissu qui soit approprié au tissu qu'elle allait me donner ou qu'elle allait commander. Et bon, j'ai cherché, moi, dans mes jerseys et tout, et ça concordait pas. Enfin, ça faisait pas joli. C'était pas top. Donc, j'ai fait le patron. Donc, sachant que le dos et le devant sont pareils. Et j'ai fait une toile pour voir déjà si ce que j'allais proposer lui irait. J'avais un tissu en viscose à la maison, mais qui lui plaisait pas. C'est dommage parce que j'avais le métrage suffisant. Et je lui ai proposé, mais ça ne lui plaisait pas. Et du coup, j'ai fait un essai en bordant avec un... Enfin, j'ai pas bordé, j'ai fait un billet à plat autour de l'entournure. Et j'avais de la dentelle noire que j'ai depuis, pareil, des lustres. Et pour remplacer l'espèce de la petite maille qu'il y a autour. Donc, bon, c'est une toile, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. J'ai pas pris la longueur totale, ça servait à rien, c'était juste pour voir si au niveau des entournures ça allait, qu'elle rentrait les bras, enfin voilà. Donc elle a essayé et elle a trouvé ça super super bien. Elle a trouvé la dentelle très jolie. C'est vrai qu'elle est jolie en plus. C'était de la dentelle que j'avais achetée chez Pro Dentelle, mais il y a des années de ça. Donc j'avais fait un petit billet à plat, vous voyez, comme ça. Donc vous voyez que j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais qu'importe, hein, c'était vraiment pour voir si ça allait. Donc j'ai fait essayer et ça allait, juste il n'y a que là où c'était un petit peu serré. Parce que bah, là, en fait, sur le modèle d'origine, comme c'est un petit biais de jersey, c'est quand même élastique, on va dire. Là, comme c'est un biais à plat, bah, il n'y a aucune élasticité. Donc j'ai recreusé de 4 cm quand même pour être sûr qu'elle soit à l'aise. Et du coup voilà. Et alors elle m'avait donné des tissus. Alors les tissus, elle voulait absolument que je lui fasse dedans. C'est pas des tissus appropriés, c'est des tissus, moi j'appelle ça des tissus de carnaval, parce que c'est la qualité n'est pas top du tout. C'est satiné, mais c'est pas joli. Après, bon, c'est son choix, ce sont ses goûts. C'est elle qui choisit. Il y a celle-ci. Voilà. Donc c'est une robe. C'est très très long. En bas, j'ai fait un ourlet classique. Hein. Et ici, du coup, pour la couture. Donc j'ai assemblé la dentelle sur. Donc il y a les fronces. J'ai fait d'abord les fronces. J'ai assemblé la dentelle. Endroit contre endroit avec le tissu. J'ai retourné, j'ai couché la couture vers le haut, comme ça, et j'ai piqué après avec la recouvreuse, et j'ai coupé après au ras. Voilà, donc ça fait propre. Et puis du coup, j'ai continué l'ourlet de la bretelle, vous voyez, ça garde quand même une élasticité. Alors peut-être qu'avec l'élasticité, du coup, ça maturera, j'espère. Donc voilà. Et j'en ai fait deux autres. Donc là, elle a acheté les. On a regardé ça ensemble. Parce qu'on avait été à Centre Accor et les prix des viscoses, sachant qu'il lui fallait un métrage quand même assez important. Je lui ai conseillé de prendre sur les coupons de Saint-Pierre, et puis en plus à Centre Accor, les tissus ne lui plaisaient pas du tout, et du coup ça lui revenait moins cher quand même d'acheter sur les coupons de Saint-Pierre. Et du coup elle a choisi le tissu qu'elle voulait. Donc, et par contre le bémol, en fait, c'était qu'il fallait absolument qu'il y ait du noir dans le tissu. Bon, celui-là, c'est elle qui m'a donné, il y avait du noir, il n'y avait pas de souci, mais pour la dentelle, il fallait absolument du noir, sinon ça aurait pas. Enfin, à mon goût, ça, enfin, à mon avis, ça aurait pas fait joli. Du coup, les deux tissus qu'elle a commandés, il y a du noir dedans, donc impeccable. Donc voilà. Si les tissus vous intéressent, je vous laisserai le lien des tissus. Il y en a encore. Et puis, ben, même principe, hein, il n'y a pas de, il n'y a aucun,
aucune différence. Et le deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Donc, toujours pareil, finition bi-à-plat. Et puis derrière, voilà la finition. Voilà, donc dans le dos, il y a une couture au milieu dos. Et puis, c'est légèrement plus échancré, parce que quand on avait fait l'essai, elle trouvait que ça remontait trop devant, donc je lui ai échancré un petit peu plus devant. Donc, c'est légèrement plus haut dans le dos, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Je crois qu'il y a 1 ou 2 cm de différence, ça se voit pas. Je pense que porté, on voit pas la différence. Sinon, un mini haul, comme elle a commandé des tissus sur, comme on a commandé des tissus sur les coupons de Saint-Pierre, j'en ai profité pour commander des tissus pour moi. J'ai recommandé de la viscose doupionnée, mais j'ai pris de la rouge. Alors, elle n'est pas là, elle fait plus orange dans la caméra, mais c'est un rouge, vraiment un rouge vif. Hein. Là, elle est vermillon dans la caméra, elle n'est pas rouge comme ça normalement. Mais elle est juste magnifique. Voilà, je vous laisserai les liens de toute façon. Et il me semblait avoir commandé de la viscose doupionnée noire, mais c'est pas de la viscose doupionnée que j'ai reçue. Ça fait plus voile de viscose, elle est très transparente. Vous voyez. Et bon, après, elle est très bien. Hein. Je pourrais me faire des petites blouses et tout, mais je crois pas que c'était ça que j'avais commandé. J'ai eu un problème pour me connecter ce matin. J'ai pas réussi à me connecter pour vérifier. Et sinon, j'ai commandé également du ciré pour ma belle-mère, parce qu'elle a craqué sur mon ciré quand je lui ai montré. Donc, le mien était gris, donc Prince de Galles. Je vous laisserai également soit la photo, soit le lien. Ce qu'il en reste. Donc, elle veut que je lui fasse le même ciré. Mais elle l'a commandé en... Je sais pas si, comment ils l'ont appelé. Je sais pas si c'est Bordeaux ou je sais pas. Mais il est magnifique. En fait, je suis dégoûtée parce que le mien, bon, il est gris, il est très beau. Hein, mais quand j'ai vu le sien, je l'ai trouvé mais super beau. Alors, coup de chance, c'est que je lui ai fait essayer le mien. Ça lui allait parfaitement au niveau de la taille. Il n'y a qu'au niveau des manches, moi, qui était un petit peu court. J'ai prévu le tissu, donc elle l'emmène là-bas quand elle va rentrer. J'ai prévu le fil, j'ai prévu... Ah, je crois que j'ai pas mis la fermeture éclair. Ouh, il va falloir que je mette la fermeture éclair, là. Faut pas que j'oublie. Ouais, il me semble pas lui avoir donné. Il va falloir que je vérifie, que je lui redemande. Donc le fil, la doublure, donc j'avais un ancien drap un peu dans les tons vieux rose bordeaux, il y avait suffisamment pour faire la doublure donc du corps et j'ai également de la doublure pour les manches, de la doublure qui glisse. Alors là c'est un rose un peu, mais bon c'est dans les manches, ça se voit pas, c'est pas grave. Je voulais pas racheter encore, voilà. Donc je lui ai donné tout ça et quand je serai là-bas, j'ai même préparé le pied téflon. J'espère qu'il s'adaptera à sa machine pour pouvoir coudre le ciré. Mais je pourrais au moins monter déjà le corps, tout ça, la doublure, voilà. Et, mais il faut que je pense voilà, à la fermeture à glissière, j'y pense maintenant. Et sinon, j'ai fait 2 pantalons pour mon fils, donc Scott, le plus grand. Enfin, le plus grand, le plus grand en taille. Il voulait que je lui transforme des jeans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Il m'avait donné 4 jeans qui étaient trop petits pour lui et que j'ai transformé, que j'ai customisé. Donc, normalement, on doit faire le tournage dans son studio pour présenter. Donc, ça sera avec lui pour présenter les pantalons que je lui ai fait. Donc, le podcast sera diffusé à l'issue. Ah ouais, mais par contre, je regarde où ? Là-bas. Ah oui, putain. Salut les chéris, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un podcast couture, un petit podcast couture. Je vous présente mon fils Scott. Bonjour. Et nous tournons chez lui. Donc, nous avons les micros, nous avons la caméra. Lui s'y connaît bien pour le montage vidéo, tout ça. Donc voilà, je suis venue ici, en fait le podcast sera scindé en 2 parties, il y aura la partie où c'est filmé ici, pour présenter les vêtements que je lui ai confectionnés, et la suite ça sera chez moi comme d'habitude, voilà. Donc il y aura certainement une différence de son, ça c'est probable. Donc je vais tourner, hein, parce que je parle à mon fils, donc il va falloir que je le regarde, je ne vous regarderai pas vous. Donc Scott...
Comme ça te concerne, explique un petit peu ce que tu voulais comme, comme vêtement. Bah moi du coup je voulais un Regarde la jean. caméra, recommence. Moi du coup je voulais un jean patchwork comme la veste que tu avais faite. Oui. Alors c'est une veste patchwork. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur la veste orange. Donc je vous laisserai le petit i en haut. Pour voir la vidéo, donc c'est une veste patchwork de jean. Donc j'avais récupéré des morceaux. Je crois que je vous en avais parlé. Je vous explique un petit peu le maniement, un petit peu la démarche. Et du coup, voilà, il a voulu que je fasse un petit peu le même système, donc avec des jeans. Donc vas-y, Ouais, bah voilà, bah, j'avais plusieurs jeans, ils m'allaient plus. Et du coup, bah, fallait bien qu'ils servent. Et je t'ai demandé de faire des petits jeans, quoi. De faire un petit jean assez rapidement en plus. Oui, en plus, oui, c'était assez rapide, d'autant que je déménage et que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai encore mes machines à disposition. Il m'avait donné quatre jeans, je crois, tous stretch. Il y avait deux modèles qui étaient identiques, il me Ouais. semble, de taille identique aussi, je crois. Il m'avait donné quelques inspirations. Je ne sais pas si on a toujours les photos. Il y avait Tommy Hilfiger, je Et crois. alors, oui, il m'a Sinon, je donné te un parle des Carhartt inspirations, entre. moi. Ah oui, les inspirations, donc c'était Tommy Hilfiger et. Et il y en avait un autre sur Asos, je ne sais plus comment c'était quoi la marque. Ouais, voilà, des jeans. Alors, si j'ai toujours les photos, je ne sais pas si je les ai toujours d'ailleurs. Je Non, vous moi, je vais toujours te enverrai les les envoyer photos par Messenger, normalement. des photos des inspirations. Et du coup, c'est le jean qu'il porte actuellement. Donc, bah, essaie de te lever. Donc, il est très Ouais. grand, hein. Vous verrez que les jambes. Ah bon, en soi, c'est que ça qui importe du Oui, coup. voilà. J'ai pris, on en a discuté ensemble. Du coup, j'ai pris le clair pour mettre devant et le foncé. Vas-y, tourne-toi. Et le foncé pour mettre derrière, parce que le contraire, je trouvais que c'était pas top. Hein, Non, ça faisait assez déséquilibré en ouais, vrai. c'était Enfin, je pas. trouve au Je niveau des préférais couleurs. le foncé derrière et le clair devant. Et lui, il voulait également cet empiècement au niveau des genoux. Et il m'avait demandé également de faire éventuellement style un peu patte d'eph et des surpiqûres fluo. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc les jeans, sachant que les jeans d'origine étaient trop petits pour lui au niveau de la taille, au niveau de la longueur, je crois. Ouais. Voici au niveau de la Au niveau de longueur, la parce que longueur, c'est. ça paraît normal, Oui, au mais la niveau de la taille. longueur, vu qu'il fait 1,96 m, hein, je le précise, et puis qu'il Mais est, vous c'est. voyez un petit peu la grosseur du gars, il est énorme hein, comme garçon, il est très musclé. Donc voilà, alors pour élargir, en fait, j'ai joué avec les coutures intérieures, qui sont des coutures au cornet, qui sont des coutures comme ceci. Ce qui fait que j'ai transformé en couture normale, ce qui m'a valu de gagner un petit peu en largeur. Et j'ai fait de même, tourne-toi, j'ai fait de même pour la réhausse, ici. Voilà. Enfin, j'ai défait la réhausse et j'ai cousu en couture normale pour gagner un petit peu quelques centimètres au niveau de la fourche. Et puis j'ai défait également deux ceintures pour en refaire une seule, pour faire une grande ceinture. Donc il y a une. Vas-y, montre tes abdos. Alors, il y a une ceinture, un morceau de ceinture foncée, un Ça, morceau de après, tu pourras ceinture prendre des claire. photos, peut-être. Ouais. Ce sera peut-être plus simple. Et un morceau de ceinture claire ici. Et du coup, pour la surpiqûre fluo, donc j'ai pris un fil normal, hein, c'est pas du cordonné, mais j'ai fait en système 3 points. Vous savez, normalement, c'est pour les tissus élastiques. Là, je me rends compte d'ailleurs, pourtant, j'ai pas mes lunettes, que ça a sauté. Il y a un point qui a sauté. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il faudrait que j'essaie de te le reprendre vite fait, ça, mais bon. Du coup, voilà, j'ai fait en 3 points, ce qui fait que ça épaissit un petit peu la piqûre, et j'ai fait par touche. Donc, j'ai surpiqué tout l'intérieur des jambes en fluo. J'ai fait l'ourlet du bas en fluo. J'ai fait les petites coutures sur le côté ici. Et j'ai fait une des poches arrière, toute surpiquée en fluo. J'ai fait le bas de la ceinture également. Et j'ai repris une poche que j'ai plaquée sur la première poche. Donc ça lui fait deux poches comme ça.
Avec le petit logo Carhartt, évidemment. Avec le petit logo, parce qu'il voulait garder le petit logo Carhartt. Carhartt. Voilà, et du coup, j'ai... parce qu'au départ, en fait, je voulais le remonter normalement, juste normalement, et savoir si ça lui allait. Et en bas, c'était trop serré, il trouvait, et du coup, j'ai fait un petit empiècement. Vas-y, tourne-toi. Un petit empiècement comme ceci. Voilà. Ce qu'on appelle une quille. Et ça fait un effet un petit peu pas de def, mais sans trop. Voilà. Je bois un petit café. Hein. Du coup, là, j'ai coupé également au niveau des jambes pour faire l'empiècement. C'est pas des genouillères qu'on a, enfin, que j'ai mis en plus. Hein. J'ai coupé ici, j'ai coupé là et j'ai incrusté voilà, un petit morceau d'empiècement. Voilà, bah c'est tout. Et fais voir de l'autre côté, par contre, la piqûre. J'espère que ça n'a pas... Oui, parce que... Ah oui, il y avait une chose que je voulais préciser, c'est que j'étais embêtée ici au niveau des rivets. Je ne voulais pas les enlever. J'ai enlevé quelques rivets, je crois. Alors, j'ai enlevé les passants, tous les passants, parce que j'ai défait les ceintures. Donc, on a la marque des passants ici. Et j'ai remis les passants en... Normalement, en fait, pas comme quand c'est sur les jeans ou c'est piqué ici. Moi, je les ai cousus, je les ai assemblés dans la ceinture et après plaqués sur la ceinture. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, du coup, j'étais embêtée avec les rivets au niveau des poches sur le côté pour faire la surpiqûre ici. Mais bon, j'ai réussi à passer le pied presseur, j'ai pas eu de soucis. Mais là, ça m'embête que ça ait pété, là. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Mmh. Il y a un point qui a sauté, donc j'essaierai de refaire ça proprement. Donc voilà pour le premier pantalon. J'ai un deuxième pantalon à vous présenter. J'ai ça qui m'embête, tu vois. On a tourné ça, ça fait moche. Voilà, ça va être tout le long de la vidéo, je ne vais pas recommencer. Maintenant, je vais vous présenter donc le deuxième pantalon. Il s'est changé pour faire un look un petit peu différent. Le pantalon n'est pas repassé parce que ce n'est pas le pro du repassage. Alors, ce micro m'embête parce qu'il n'arrête pas de... Mon pull est trop léger. Bah, c'est surtout que je ne l'ai pas utilisé, donc du coup, je n'ai pas forcément eu besoin de le repasser. Quoi. Il se justifie. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, là, c'est un pantalon, en fait, que je lui ai proposé en triant tous mes tissus. J'ai vu ce tissu-là que j'avais depuis très longtemps. C'était ma maman qui me l'avait donné, mamie Michel, qui me l'avait donné, qui l'avait récupéré, je ne me rappelle plus trop où. Et donc, comme j'en ai quand même encore un grand métrage, et je lui ai proposé de lui faire un pantalon. Donc, il a accepté, hein, bien évidemment. Et j'ai fait donc ce pantalon-là. C'est, je crois, c'est un patron... Je ne m'en rappelle plus. Fais voir le style que c'est. C'est un patron à toi, je ne m'en rappelle plus. Bah, je sais pas, je pense. C'était le patron... Oui, voilà. En fait, on avait regardé les patrons que j'avais des pantalons... Si, tu avais mélangé, je crois, un patron à moi et un patron que tu avais trouvé sur... Ouais, magasins. Non, mais je crois que non. J'ai pris... parce qu'en fait... vas-y, rassieds-toi. Voilà, en fait, je cherchais un pantalon à lui faire, sachant que j'avais un patron déjà que j'utilise tout le temps. C'était d'après un jean à lui, mais il était un petit peu plus jeune et il a grandi depuis. Du coup, en taille, il n'a pas grandi, mais en taille, il a grandi. On avait regardé, je crois, c'est sur Autobré, un patron de pantalon chino. Et j'avais aussi, il me semble, sur Autobré également, je crois, ou sur la... Enfin, je ne me rappelle plus trop, un pantalon jean, en fait. Mais du coup, j'ai gardé son patron à lui, enfin, le patron que j'avais. Et puis, j'ai élargi un petit peu au niveau des coutures de côté. Donc, j'ai tout monté. J'ai monté le devant, j'ai monté le dos. Et ensuite, j'ai fait un bâti. Et il a essayé et je crois qu'il n'y a rien eu à retoucher, je crois, une fois que le bâti a été fait. Ouais, je crois qu'il était bon. Donc, je l'ai allongé aussi. Et puis, puis voilà, donc ça donne ça. Donc, vas-y, laisse-toi. Donc, c'est un tissu, je crois que je t'avais dit, c'était... Je ne sais pas s'il y a de la laine dedans. Je
suis pas sûre, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a un peu de laine, mais c'est de la laine mélangée. Comme donc il est, tu m'avais dit aussi. Ouais, il est relativement fin, mais il a quand même de la tenue. C'est un sergé, je crois. Et du coup, bah voilà, c'est en fait mode. Enfin, c'est une coupe jean. Hein. Donc il y a la réhausse derrière, il y a deux poches plaquées, il y a la braguette, les poches cavalières, mais par contre, il n'y a pas la petite poche briquet. Et enfin, tout simple, il n'y a rien de particulier. Et du coup, ça fait un petit peu. Donc, bien repasser, ça peut faire un petit peu costume. On peut repasser. Ouais, c'est vrai que lui, pour le coup. Parce que du coup, il y a des jeans, en vrai, tu n'as pas forcément besoin de les repasser. Mais oui. Lui, c'est vrai que. Ah, bah lui, il faut le repasser. Hein. De toute façon, clairement, ouais, il y a vraiment besoin de le repasser. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. La braguette, si tu permets, attention, c'était, bon, je crois que c'était une fermeture à glissière que j'avais dans mon stock. Le bouton également, c'est un bouton que j'avais dans mon stock, donc voilà. Donc rien de particulier, c'est juste une coupe jean et donc qui est assez versatile du coup parce que. Oui, il peut le mettre en mode costume un petit peu. Je pense que. Retrousse-le juste deux secondes pour voir ce que ça peut donner. Bon, là, il y a les chaussettes. Donc, Ah ouais, tu veux faire le truc avec les ourlets, mais moi, je t'avoue que je porte jamais ça comme ça en vrai. Mais en façon. Ouais, mais après, ça peut donner un style suivant les chaussures que tu peux mettre, bon après ça c'est ton style ou pas, mais voilà, c'est un pantalon qui peut être assez versatile. Donc au niveau du style, bon, juste un petit truc. Vas-y. Tu veux pas nous faire des costumes pour moi et Tom pour le mariage de Rémi et Marie-Pierre? Non, là ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Le costume, alors comme chacun sait ou pas d'ailleurs, enfin je vais vous en parler vite fait, rapidement. Julien Scavini qui est tailleur. Pour homme. Tailleur pour homme, c'est un pléonasme parce que le tailleur, le métier de tailleur, au départ, c'est pour homme. Donc c'est un vieux métier qui commence à disparaître. Il y en a très peu en France. Il en reste beaucoup en Italie et en Angleterre. Mais le métier de tailleur, c'est un métier en fait. C'est de la couture, mais le tailleur, c'est vraiment un métier. C'est vraiment très particulier. Et Julien Scavini l'a expliqué lors d'une vidéo, je vous laisserai le lien éventuellement au moment du CSF. Donc il a été interviewé par Artisane et ils ont fait une vidéo là-dessus. Donc il explique très bien le cheminement du tailleur, du métier de tailleur et la disparition du métier et l'évolution également du métier. Et c'est vrai que les tailleurs, avant, il y avait énormément de choses dans la veste, des épaulettes, des renforts, des trucs, des machins. Pour les pantalons hommes, c'est exactement pareil. Il y a des gros grains, il y a des tas de choses au niveau du costume. Et ça tente à disparaître parce que les jeunes ne portent plus vraiment le costume tel que c'était avant. Donc oui, je peux éventuellement faire un costume, ça ne sera pas du tout dans les règles de l'art, n'est-ce pas? Et ça sera une veste qui va être plutôt loose, plutôt tombante, ça ne sera pas vraiment avec de la tenue, tout ça. Et ça ne sera pas pour maintenant, surtout. Certes. Voilà. C'était quoi ce bruit? C'était l'enceinte portable. D'accord. Donc j'ai prévu de lui faire deux autres pantalons, je vous en ai parlé dans... des vidéos précédentes, en lainage à carreaux marron, et l'autre c'était quoi que je t'ai dit? Ça fait une espèce de lin un petit peu, non, c'est un jean, enfin ça fait couleur un peu de Nîmes, je sais pas s'il y a du lin dedans, je crois, mais il est très très joli, il est très fin, donc j'ai coupé deux pantalons et il les récupérera quand il viendra à La Réunion pour les vacances au mois de novembre. Voilà, au mois de novembre. D'ailleurs, ça te fait quoi qu'on parte à La Réunion? Ça lui fait rien du tout, en fait. On verra quand vous serez partis, du coup. Parce que oui. Pour l'instant, vous êtes encore là. C'est vrai, on est encore là. Il y a Bradley qui n'arrête pas de m'appeler, de m'envoyer des messages, de me demander des conseils. Je dis profites-en parce qu'après, on ne sera plus là. Ça m'inquiète un peu, quand même. Hein. C'est vrai que vous allez me manquer aussi, mais on essaiera de revenir. On est grand, ça va.
Oui, ils sont grands, mais... Bon, toi encore, tu m'appelles pas trop... T'as pas trop besoin de ta mère, quand même. Non, moi, je suis... Bah, ça va, j'ai assez, Nana, en fait, du coup. Oui, bah... Il a sa petite copine, oui. C'est ça, les hommes, hein. Les hommes, souvent... Ouais. Ouais. Leur femme, c'est ce qui remplace leur mère, un petit peu. Hein. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des tailleurs, là, mais en soi, pour la couture pour femmes aussi, il y a d'autres exigences. Oui, C'est juste que c'est pas les mêmes, c'est tout. Ce ne sont pas les mêmes exigences. Ils vont pas travailler avec les mêmes tissus, mais déjà voilà, c'est pas les mêmes tissus et tout, et du coup tu peux faire plus de trucs. Bah, déjà les vêtements femmes, c'est vrai que c'est ce que j'explique dans une de mes vidéos. Maintenant, en fait, oui, quand même plus de liberté avant c'était maintenant, oui voilà, c'est ce que j'expliquais au départ, c'est que c'est quand j'ai présenté mes livres justement quand j'ai fait la revue de presse. On a tendance à dire que oui, les hommes, c'est quand même assez basique, t-shirt, chemise, pantalon, veste, enfin c'est assez répétitif. Bon, maintenant la mode et la société évolue. C'est quand même plus extravagant. C'est plus extravagant. Il y a le chanteur, lui, il est particulièrement connu pour ça, c'est que il met beaucoup de vêtements femmes, justement. C'est de la pop, hein, c'est beau, enfin c'est de la pop. Rap et pop, je trouve que c'est ceux qui justement se démarquent le plus au niveau des tenues. Ouais. La mode évolue beaucoup pour les hommes, plus que pour les femmes, parce que les femmes, depuis très longtemps, que ce soit dans les films ou dans les clips, ça peut être très extravagant. Les hommes, en revanche, c'est un petit peu plus restreint, mais ça tente à évoluer. Et notamment un certain chanteur, si je retrouve le nom, je vous le mettrai en bas là, parce que je cherche et j'arrive pas à trouver son nom, et qui porte des vêtements de femmes ou des vêtements qui ont été conçus pour des hommes, mais qui sont à influence féminine en fait, et je trouve ça plutôt bien. T'avais Jaden Smith qui a posé pour femme pour Vuitton. Il avait avec des vêtements de femmes. Et j'ai mon micro qui se balade tout le temps, ça m'agace. Et oui, du coup, c'est vrai qu'on peut se permettre un peu plus de choses maintenant pour les hommes. Après, c'est comme une femme. Il y a des femmes qui vont assumer de s'habiller avec des choses très colorées, très extravagantes, très volumineuses. Voilà. Pour un homme, il faut l'assumer aussi, c'est pas évident. Ça évolue quand même et je trouve ça plutôt sympa. Donc notamment la veste orange que j'ai fait, faut sortir avec quand même. Enfin, on voit pas ça tous les jours. Pourtant tout le monde avait kiffé en plus. Hein. Ouais, tout le monde aime cette veste. La veste rose, je sais pas trop. Si, la veste rose aussi. La veste rose aussi, la veste patchwork en jean. Je suis une des premières, sans vouloir me vanter, à avoir fait une veste en jean en patchwork. Bon, en vrai, ça a dû déjà être fait. Non, mais oui, non, mais je veux dire, dans la sphère couturesque, un petit peu, j'étais une des premières, sans avoir vraiment copié, mais ça m'est venu un petit peu comme ça. Et puis, après, des patchworks, ça a toujours existé. Le recyclage, ça a toujours existé. Hein, là, ça devient une mode un petit peu maintenant. Tout le monde... Ah ouais, mais ça a toujours existé, en fait. Moi, je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, je customisais déjà mes pantalons. Je faisais déjà des petites choses. C'était pas énorme, mais je customisais déjà. Donc, j'ai 53 ans. Donc, maintenant, là, c'est la mode de customiser, de recycler. Ça fait bien, quoi. Il y a Audrey de la chaîne de Fêlée de la Bobine, d'ailleurs, qui en parle. Je vous laisserai la vidéo. Elle pousse un petit coup de gueule là-dessus. Elle a entièrement raison, d'ailleurs. Donc, tu vas en laisser des liens dans la description. Oui, ou dans la barre de description, ou les petites vidéos, je vous les accroche dans le petit. Non, mais bon, faut laisser des références. Faut que les gens ils sachent de quoi on parle. écoutez, on va vous laisser. Moi, je vous récupère juste après dans la suite de la vidéo. Et puis, j'espère que ce petit format qui sera probablement le seul avec mon fils, à moins qu'on en refasse quand il viendra. Remarquez, on pourra refaire si tu amènes tout ton matos. Je sais pas si je veux tout mon matos, je vais venir en vacances, moi. On pourra faire une petite vidéo quand même, au moins pour le podcast, pour présenter tes pantalons. Après, il y en a qui voulaient faire pas mal de trucs. Donc, on fera ça le soir ou...
Bah après, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, on en a pour une heure ou deux. Faut voir déjà, faut qu'on prévoie tout ce qu'on a à faire. Et... Ça sera pour présenter juste deux pantalons. C'est possible? Vous croyez que c'est possible quand même? C'est possible. Ah, mais on vient que deux semaines, hein. Oui, bah deux heures dans deux semaines, tu peux m'accorder ça quand même. Est-ce que tu pourras accorder deux heures à ta mère pendant tes vacances? Il ne va pas me voir pendant... on part au mois de juin. Et toi, tu viens au mois de... Deux, trois mois. Après, on ne s'était pas vu pendant deux ans quand j'étais à Nice. C'est vrai, quand il était étudiant, il était à Nice, on ne s'est pas vu, on s'est pas vu beaucoup. Mais, ouais, mais je me suis accrochée encore plus à toi depuis. Tu vois, plus tu vieillis, plus je vieillis, plus je m'accroche à vous, en fait. C'est normal, mon amour grandit continuellement, ça ne fait que... Ah mais oui, mais on verra. Non, mais on pourra, oui, on pourra faire une petite vidéo vite fait, comme ça, pour le podcast. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse, et puis bah, peut-être un dernier mot, je sais bah, pas. Au revoir, hein. Bonne soirée. Scott, c'est ça en fait, il est très basique, il ne se prend pas la tête, il est assez réservé en plus, pas timide, mais réservé. Et voilà. On va pas dévoiler toute la vie quand même sur, ouais, c'est ça, sur les réseaux. C'est ça. on reste un fantôme. Voilà. Sur les réseaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche. Et puis à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.